Hey, coucou à tous, on est à la casse. Voilà, on est dans la réunion. Alors bon, le casseur, je viens de voir le père. Il était très au courant de tout ça. Puis aujourd'hui, il fallait m'appeler. On vous dit que le Cantal, c'est fatal. Alors du coup... Cette pauvre GTL, il serait pas en face, je la filmerai dehors, mais il est là, donc on va faire avec, on va dire. Donc vous voyez, les sièges sont un peu... Je m'en fous, moi, c'est pour aller dans la Broadway, et au moins mettre ça, là. Le système qu'il bascule et tout. Je vais essayer de le mettre sur la Broadway, parce que la Broadway, c'est fixe. Là il fait de la pince là, tu vois. Là c'est une pince ce qu'il a, tu vois. Voilà. Bon alors le tableau de bord, il est en bon état, hein. Il est à 250 000, je l'ai pas fait voir, mais 250 000. Ah, il n'y a pas la batterie. Ça me fait chier de l'avoir là, hein, parce que là tu mets une batterie et tu rentres chez toi là, c'est ni plus ni moins. Cette pauvre voiture, hein. C'est vraiment un peigne cul le gars qui avait ça, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, ouais. Je vais essayer de récupérer des pièces. Ouais, je sais pas, l'autre il fait une tronche, pas possible. Un peu débile, les types. Voilà, c'est la Là il y a un monsieur là, il le connaît depuis longtemps, il m'a dit oui c'est vrai qu'il est lunatique le gars. Tu vois, je te l'ai dit. J'ai pas de mauvais jugement. En principe je me trompe jamais sur quelqu'un. Quand je dis que quelqu'un est con, c'est qu'il est con. Voilà. Mais de toute façon je vais voir avec le fils. Hein. C'est le fils qui gère plus que lui. Lui il a 700 000 donc. Bon, mais voilà. Je vous laisse là-dessus. Je pense pas que je filmerai autre chose parce que voilà quoi. Vous avez compris. Allez, je vous laisse. Voilà, tout est neuf. Tu vois, les encoches. Ça, c'est pas pété. Il y a l'autoradio, donc il y aura le faisceau avec, je pense. Renault. Je pense qu'il va être d'origine. Voilà, bon allez, je vous laisse qu'il va arriver.